Nous, en disant anticosé à ce plateau Espérance TV, moi, je vais profiter pour moi saluer le monde entier qui a regardé l'émission. Et moi, je vais penser à Lambert Taylor qui en Afrique qui travaille pour mon Dieu. Et moi, je pense à les églises qui persécutaient là-bas. Nous commandons tous les chrétiens, mettez genoux à terre, pas oublier ces mounons. L'évangile qui a prêché, mais parfois les vies menacées. Mais nous savons que Jésus a vécu puisque nous avertit. Gratien, bienvenue. Moi, je pense au passant bon semaine. Merci, moi, passé un très bon semaine. Et moi, je accepter l'invitation hein, et puis joie. Mais moi, j'ai aussi encouragé à l'Afrique aussi, vous parlez de l'Afrique. Dernièrement, nous perdons un frère, nous, il est décapité par la peine de mort, il est tué. Et nous apprenons qu'avant, il était connaître Jésus, il était violent, mais en prison, il vient de ça, j'ai accepté Jésus. Et pasteur nous, Nilsson, fait un démarche auprès pour essayer de passer, mais ça n'a pas passé. Mais nous croyons qu'il bat le témoignage en prison, qu'il t'a changé. Oui, nous sommes tous bagailles qui ont changé, puisque nous sommes arrivés à des temps difficiles. Oui. C'est ça, Bible a dit nous, dans Timothée 3, nous dans les derniers jours. Donc, à présent, c'est un nous cheve fort, l'homme Jésus. Et Gratien, nous, la semaine qui passait, et dans les moments de perte, et nous, différentes pertes, nous pouvons confronter en dans la famille, et parfois, quand il y a vraiment des souffrances, des mais la clé, c'est Jésus. Ah oui, la clé, c'est Jésus. Absolument. Je dis à nous, quand parler des moments difficiles, des moments difficiles, on nous prie pour commencer. Papa Dieu, nous, quand ouvert la Bible là, encore une fois. Et que nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole inspirée. C'est pour raison que là, nous commandons d'assister nous, guider-nous, conduire-nous en disant toute la vérité, non seulement nous, mais tout le monde qui a regardé l'émission. Bénis chaque la famille, en nom de Jésus. Amen. Texte là, nous te pour méditer en l'air là, qu'a trouvé qu'il y a dans Ephésiens 4, verset 26, grâce. Si vous vous mettez en colère, n'empêchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou sur votre irritation. Très bien. Et nous allons vivre les textes là tout à l'heure, puisque nous allons parler de la colère plus tard. Donc, nous allons garder les commentaires là pour après. Mais ça nous le dit que même les meilleurs foyers qu'à Sibi, et qu'a affronté des moments très difficiles. Ah, ça c'est en réalité. Oui. Parce que nous vivons dans un monde de péché. Tant que le péché est là, il y a une souffrance, il y a une irritation, il y a des moments difficiles. Et c'est pour ça, je dis tout le monde qui a lu la Bible, il a essayé de comprendre. Maintenant, ça, Jésus l'a montré nous. Jésus l'a montré nous. La réalité péché a, mais qui a montré nous aussi la réalité, la vie en Jésus, qui a débordé dans la vie, dans l'au-delà, et puis pas qu'il y a une fois. Et nous sommes dans toutes situations, par exemple, il y a des belles mères qui ont mis des sellio dans la vie foyer, surtout par rapport à garçon, et ces belles filles qui ont passé des moments vraiment désagréables. Parfois, ils sont menacés, parfois, ils sont sur la dépression par rapport à une belle mère qui n'a pas apprécié tout cela. Alors qu'elle nous a oublié que nous tous des péchés. Tous c'est des péchés. Et puis en plus, parfois, ou peignez un papa qui tête n'est pas bon. Et puis qui a maltraité ses là, madame. Une situation qui triste. Une situation qui triste. Font souvent, et puis nous les mounons. Garçon nous, bien fille, nous choisissons, nous les mounons, à morphologie nous, à ressemblance nous, à ça nous qu'on pense, idéal nous qu'on idéalise un système, et puis là nous, c'est pas ça, nous qu'on se mounons malheureux, alors que ça dit de tête nous-mêmes, ça y est. Et c'est pour ça, ils sont là, qu'on aide nous, et d'y mettre en place quelques éléments pour aider nous d'y apaiser ces moments difficiles là, et en particulier dans la famille. Et puis trouver l'harmonie. Oui, Gratien, conflit. Alors, quel principe important qui peut aider nous
d'éviter les conflits en dans la famille et les conflits en général. La Bible a nous détecte là nous quand en premier texte il y a dans Matthieu 7 verset 5 et puis un texte à dans Proverbe 19 verset 11. Mm-hmm. Alors donc maintenant quand il lit ce texte là oui, oui. Mais souvent nous quand ouais petit aiguille qui la réunion de l'autre là alors que nous avons gros poton dit dans nous. C'est ça Jésus qui a dit nous. Mm-hmm. Nous quand il ça dans Matthieu 7 verset 5. Verset 5. Écoutez ça, il garde. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Pour comprendre, pour tout lire verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et quand tu n'aperçois pas le poteau qui est dans tes yeux? Oui, mais mes gracieux, le plus souvent, mon an qui l'est tiré, et pas élanger l'autre là, pas jamais, ouais, il n'y a pas de poteau. C'est ça, mais c'est ça. Et oh, c'est le ben, poteau quand même. Poteau plus visible. Oui, oui. Qui en paille. Et puis surtout, si on a un nom. Parce que, moi, quand il a poussé en 13e, moi, tu fais, moi, casse au fait. Pour tirer. Est-ce que Jésus peut exagérer là? Non, mais ça, en réalité. Parce que l'on regarde en paille et puis en poutre. Ça va n'y a rien, ouais. Ça va n'y a rien. C'est pour montrer où. Je vais quand même te la couper, l'empressement, puis zélouni, pour aller exhorter en l'autre. Mm-hmm. Alors qu'on pique au chibassi. Ou pas meilleur qu'il. Ouais, ou pas c'est meilleur. Ça. Ouais. Et puis exhorter maladroitement. Oui. Maladroitement. Et alors qu'on pas meilleur passé. Et c'est pour ça, Proverbe Salomon, quand on a un bel conseil dans Proverbe 19. Mm. Proverbe 19, verset 11. Je vais lire ça là. Oui, Proverbe oui. 19, verset 11. Il a dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ça sent déclaration. Un homme qui a une sagesse, qui sait maintenant, hein, il est lent à la colère. Ça, on l'est. Il n'y a pas qu'à mettre en colère facilement. Et puis, il a porté gloire pour oublier les offenses. Oui, et l'autre déclaration, en m'en content, il dit comme ça, commencer un dispute, c'est ouvrant digue. C'est ouvrant digue. Mais oui. Et il dit comme ça, arrêtez corps avant qu'il querelle a commencé. Mm-hmm. Ou comment, puisque vous ne pouvez pas arrêter bagaille là. Éloigner quoi avant que le match pour que ça arrête ça et puis il y a des spécialistes aussi pour jeter l'huile en les diffus on envoie de l'eau avec l'huile en les diffus maintenant alors pour nous éviter et de tels jugements et pour pas amener conflit nous n'est pour nous comprendre que nous toutes là logés à la même enseigne nous toutes là péchés et nous au bénéfice du grâce mondiale tous donc le plus souvent m'enlève traité comme un roi, et qu'on dit si le monde qui est face moi, qui est inférieur, c'est l'équipe plus mauvaise, c'est l'équipe plus méchant, alors qu'en réalité, toute là c'est des péchés. Toute là des péchés logés à la même enseigne. Romains 3, 23, gardons tous, tous au péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Alors, on nous parlait de quelques principes pour le mariage. D'accord? Oui. Nous avons lu ce texte-là pour nous qui ça. Il a porté ban nous. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 7, d'abord. Mm-hmm. Et ensuite, nous allons lire texte là aussi, t'es à l'air. Romains 3, 23. Oui. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ah, c'est Paul qui a parlé là. Oui. Paul dit, nous ni la rédemption en Jésus. Mm-hmm. Nous ni la rémission, c'est-à-dire le pardon du péché. Péché nous remettre en Jésus-Christ. Donc, d'accord? Paul qui a mis tout le monde dans les mêmes pieds de ça. Dans les mêmes pieds de ça là. Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. D'accord? Mm-hmm. Romains nous apprend, Romains, en nous prend Philippiens 2, versets 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il parut comme un simple homme. Verset 8,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort même de la croix. C'était jusqu'au verset 8. Oui. Mm-hmm. Donc, nous voyons ici, la Bible nous des principes. Oui. Et si, dans le cadre du mariage, les partenaires, les époux, contexte ça là. Absolument. Quand il y a, mon couette, quand il y a la bénédiction dans les familles. Quand il y a la bénédiction. Puisque si, ou quoi mettez quoi esclave, dit madame là. Et madame là, quand mettez quoi esclave. Alors, bah, moi, signification, moi, là, esclave, parce que des fois, mon a dit non, moi, pas esclave. Mais moi qui emploie en Bible, c'est qui ça? Esclave. Le mot esclave, c'est serviteur. Serviteur, c'est important. Ça a mon autre connotation. Hein? Serviteur les uns les autres. Oui. Serviteur les uns les autres. Alors donc, maintenant, si nous avons parti de cela, parce que ce n'est pas facile, hein, pour deux caractères qui joignent, mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que la vie maritale, la vie au mariage, c'est un acte de foi. Ouais, c'est un acte de foi. Parce que, ou pas ça, ou pas qu'on est non, au fond exactement qui m'en y est. Maintenant, c'est la convergence des deux sentiments, des deux caractères qui pour évoluer. Même qu'à béni bon Dieu, parce qu'il bat nous des principes. Mais parce si que... nous avons fait un effort d'y mettre ces principes-là en pratique, nous pouvons tirer quoi nous d'affaire. Malgré et ses caractères différents, mais oui, c'est, ça. C'est pour raison que là, et les époux, pour associer en troisième personne exactement. Dans la vie du couple. C'est pourquoi il dit comme ça, fila à trois branches longs, il va casser. Facilement. Il va casser facilement. Facilement. Donc ça veut dire placer Jésus. Placer Jésus. En centre famille là. En centre famille là. Et ça est important pour le principe du mariage. Maintenant, et en nous parler, nous avons viré sur la colère là. Et alors, qui ça la Bible a dit à sous manière pour nous pèsa examiner le vol de la colère en disant en conflit? Nous avons lu Adam, Éphésiens 4, 26, 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. D'accord. Alors, à présent là, bah, l'explication en le texte là. Un chrétien, il doit mettre quoi en colère et dit un adventiste pour mettre quoi en colère. La Bible dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Se mettre en colère, c'est pas péché. C'est de même que la tentation n'est pas péché. La tentation peut déborder. La tentation peut déborder en l'air le péché. Oui, oui. Sinon. Mais nous vivons la colère, on est la colère. On dit comme ça, la colère n'est pas péché. Donc, on peut péter la colère en l'air, mon dit dans la pas ni pèse problème. Attention, ce n'est pas ça, m'en dit. Ce n'est pas ça, m'en dit. Si vous péter la colère en l'air, en mon, vous a débordé, vous a assou la clause du péché. Mais ça peut arriver qu'il y ait une irritation qui a débordé à sous la colère parce qu'on pas toléré un bagage. Donc, pourquoi faire la différence entre... Puisque la Bible dit, si moi mettez moi en colère, oui. Si moi me mettez moi en colère, donc, si moi mettez moi en colère, c'est comme qu'a désapprouvé un comportement. Mais c'est pas parce que comme qu'a désapprouvé un comportement, puis mène moi au péché. Ça veut dire frapper, ça pas obligé jouer, ça veut dire voyez mon à la balance. Ça pas obligé, ça pas obligé en comportement. Oui. Ça veut dire que et madame ou pédou ou font bagaille qui pas bon et pour péter en crise scolaire alors que ça est là, ça vrai. Ah, c'est pas même bagaille là. Ah, c'est pas même regard là. Enfin, c'est pas même regard là. C'est pas même regard là. Bon. Mais quel que soit. La Bible a montré nous que nous sommes des péchés toujours. Des péchés. Et ça veut dire que n'importe moment, la possibilité on peut, de la colère on peut entrer là, dans la colère. Colère là. Mais qui conseille Kaba à entrer dans la colère? Il dit comme ça, si on rentre dans la colère, maintenant, colère là, c'est pour un moment. Mais, reconnaître. Reconnaître-les. Mais là, il ne doit pas aller dormir dans la colère. Mais si, qui ça? C'est reconnaître colère là et puis porter mon œuvre pour la réconciliation. Oui, mais moi, je suis en train de me faire.
Et ou entre la colère, ou quand il dormit, pour pas y dormir, puis la colère. Faut confesser. Eh oui, faut oui. Demander pardon. Demander pardon. Même moi, je m'attends à ça. Voilà, c'est pour ça. Parce que le plus souvent, c'est conflit à l'âme. Rancune. Qui a détruit la famille. Et même moi, quand je viens venir encore, l'orgueil nous. Oui, l'orgueil nous. Pousser nous à la colère. La colère a poussé nous à la rancune et la rancune qui a mis nous dos à dos. Oui. Et puis là, nous dos à dos, l'ennemi qui a fait ça il est nous. Puisque nous avons un plateau d'argent à l'homme diable pour battre nous. Oui. On nous lit Jacques Lyon, verset 19. Ah ben c'est ils sont en oui ça c'est important pour la ça famille important il parce que prier, bon Dieu. Nous allons négliger tous ces détails là et c'est ça qui a détruit la famille je dis jour c'est important. Jacques 1 verset 19. Sachez mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui. Et nous voyons que la colère peut venir aussi de la jalousie. Oui. De la jalousie, oui. Donner un exemple fondamental dans la Bible, alors que c'est en question d'adoration. Oui. Caïn et Abel. Oui. Très bien, oui. Caïn et Abel. Caïn jaloux parce que bon Dieu exaucer un sacrifice Abel. Et puis, il partit en conduite là, parce qu'il était ça maintenant en rébellion. Oui. Il était ça en rébellion parce qu'il décidait de ne pas faire ça, bon Dieu, mandé là. Et là, où ça en rébellion, la colère, on y a accès. La colère, on n'y a plus accès en l'heure, on n'y a plus en prison en l'heure. Et la colère, t'as la cavine démoniaque, parce que c'est une colère qui ne peut pas maîtriser. Et nous croyons que la colère, t'as là, qui a empoisonné l'environnement de l'Église adventiste du septième jour. C'est ça. Et au plus haut niveau jusqu'au plus bas de l'échelle. Mais parce que. Et tel monde y en réussit dans tel domaine, alors que parfois nous les possédons toutes les dons qu'il y a, et puis exceller dans les meilleurs. Alors que c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, non seulement nous les excellons dans tout ça, les meilleurs convoités à tout le monde, et ça pendant simple don au bon Dieu, nous enfouissons. Oui, nous pas ramener mon Dieu parce que nous n'avons pas dit ça. Pas rien bah moi pour moi ça marche. Donc moi crois que premier bagage pour nous demander bon Dieu c'est tirer jalousie dit dans chez nous. Jalousie au contraire en nous prier ben frère qui a fait bien, ben sœur qui a fait bien, ben dirigeant qui a fait bien et puis il y en a l'autre à nous balan main pour avancer. Absolument. Mais mon cadre frère moi, ni le monde m'enseigne la Bible. M'enseigne la Bible m'en de bailler le ABC. Bon c'est mon temps là bon Dieu béni yo rive au collège Josa pasteur Josa. Et ben sans fierté bah moi. Oui. Moi-même, je suis fier de prendre l'enseignement au bas, moi, et puis je dis jour, moi là, je ne peux pas dire mon arrivé niveau. Mais je suis avancé tout petit par la grâce, mon Dieu. Non, mais je ne peux pas dire niveau, frère. Non, tu vois, c'est ça, le tout, mais c'est une caille de l'autre. Le bon Dieu ouvre les yeux, on va partager, et puis l'autre, ouvre les yeux, l'autre. Et puis, c'est ça la vie, hein. C'est ça. Et c'est même. Alors, le plus souvent, nous peignons des bonnes raisons d'être en colère, mais il ne faut pas nous utiliser ça comme une excuse pour terrasser l'autre là. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Maintenant, bonne raison à la Cavigny, en cette indignation par rapport à un mauvais comportement. D'accord. Mais cette indignation à la, vous poussez moi à aller. Vous voyez? Dans le but de relever. Oui. Dans le but d'aider. Oui. À reconnaître ça et à changer. Tu vois? Parce que soit il n'y a pas qu'à changer. Non seulement nous avons gardé cette indignation, nous avons gardé comme ça, mais nous avons peiné parce qu'il n'y a pas qu'à changer. Mais devoir nous n'est pas de critiquer ni de porter plat à l'entouille pour faire nous connaître la faille, mais d'aider. Absolument. Et c'est pourquoi, texte de Gardino, nous servitait l'un à l'autre. On nous avance, Gratien. Surtout dans le foyer, madame et puis monsieur. Absolument. Des fois, nous commençons à l'église là. Oui, nous faisons à l'église là. Mais pas oublier, la base, c'est le foyer. Le foyer. Et nous savons que l'église là a fini en grande famille aussi. Et là encore, il faut que nous traitions frère. Nous, c'est nous, quand Jésus a traité nous. Oui. Alors, on nous parlait de la violence. La violence, c'est qui ça? Réellement. Est-ce que c'est là où prend un bâton et qu'on bat mon nom ou bien on va y des coups de choc ou bien on essaie d'étrangler puisque nous avons trouvé toutes ces situations dans un des jours. Et il ne faut pas nous voiler la face. Ah oui. Ah oui. Et c'est pour ça que la Bible a dit les maris, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas.
contre elle. Là, vous avez écrit contre madame Mou sans forme de violence. Par exemple, il y a une forme de violence et tu n'as pas capable de pièce. Violence arrête. Ça veut dire que vous boudez. Vous boudez là. Vous boudez, vous pas dire madame Mou bonjour. Vous ne pouvez pas parler bail. Vous pas manger, manger. Quand vous mettez là, bien propre là-bas, vous pas manger, vous pas bail. Donc vous les pigez. Ça va tirer sans monde. Ça va tirer sans monde. Mais je dis, vous ne pouvez pas trouver ça dans les familles chrétiennes. Malheureusement, forme de violence là. Écoutez-moi, pour me répondre bien, mon caïdou, c'est même Satan qui tout partout. Qui dans le monde, qui dans l'église. Alors, il y a la violence et verbale. Ouais. Et de là, il y a beaucoup partout, mais il plie mauvais. Ouais. Il plie mauvais. Ouais. Et c'est pour ça, et puis un monde, et puis un langout, ou peut tuer. Oui. Et commandement cadeau, tu ne tueras point. Est-ce qu'il y a des monde qui pas prend tuer, pas qu'il prend oui, bâton pour battre madame Li? Mais paroli oui plus, et pourtant c'est ce monde là qui est plus spirituel mais là où il parlait la kaili ouais. C'est un coup de fusil oui la violence nous dit aussi peut-être émotionnelle aussi ouais. Aussi la violence aussi. Émotionnelle uh-huh. Et puis peut-être sexuelle aussi alors quelle manière nous peut mener pour contrôler violence là, puisque ça a détruit la famille, ça a mené à la séparation, et parfois ça peut même mener à la mort. Et travail mon à son santé aussi. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 4, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 7 et puis 8. Il a porté des remèdes à nous. Alors, il a dit nous, 1 Jean 4, verset 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et il a dit, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et puis, quand l'amour est là, ce n'est pas parce que vous avez mis un petit sentiment l'amour, dit donc, au point pour dire, moi, quand j'ai aimé bon Dieu. Mm-hmm. Mais non, oui. Mais parce que bon Dieu aime nous premier. Oui, c'est pourquoi, si vous aimez madame ou aimez Marou, vous ne pouvez pas commettre la violence sexuelle en lui aussi. C'est ça. Parce que, forme de violence est là, vous pouvez trouver dans les familles aussi. Oui, vous pouvez trouver. Vous comprenez? Ouais. Forme de violence est là, oui. C'est un amour et was qui dévient. Qui dévie. Pas agapé. Amour agapé, pas dévie. D'accord. On nous prend le texte. Colossiens 3, 19. Texte, deux textes sont importants. Ah oui. 1 Jean 4, 7, 8. Et puis Colossiens 3, 19. 19. Il a dit, Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Ça, c'est un commandement qu'il a, Gracie. Oui, c'est un commandement. Ça, c'est un commandement. C'est un commandement. Le devoir. Aimer madame Mou, et puis pas aigri contre lui. Alors, mot aigri dans l'original grec là, il a dit nous que maintenant c'est en forme de colère. Sous aigri contre madame Mou, sans forme de colère ou amer. ou manifester contre une sorte d'hostilité intense qui a produit en pression qui a débouché en la haine. Qui ça ou peut ban monde comme conseil? Puisque des fois, madame l'a sorti un travail. Mais il te caille envie de passer toute la vie dans le travail là, il peut entrer dans le travail là. Ou Maria, te caille envie de travailler toute l'année à dehors, et puis il peut entrer dans le travail là, parce qu'ils savent en regard, en parole, qu'il y a encore détruit celle qui espérance là. Malheureusement, ça va vivre dans le foyer. Ça va vivre dans le foyer, malheureusement. Qui conseille nous pour porter basse mon nom? Bibla va parler, Bibla va dire. Il y a tellement conseil pour bas que moi-même, moi ému. Il y a tellement conseil pour bas. Si nous t'es qu'à mettre de côté 5 minutes, l'orgueil, combien de fois il t'es qu'à y trouver en stabilité, et puis les enfants, et puis les mamans, t'es qu'à y content, les papas, t'es qu'à y content d'y vivre. Trop souvent, nous qu'à mettre l'orgueil nous en avant. Nous plus sages, nous plus connaître. Nous ka permettant moun faire ça me dit faire ça la raconter là même c'est pas moi pour faire ça pas bien faire oui 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 alors moi quoi que l'église adventiste parmi les églises le mieux organisée
en matière de conseiller conjugal, responsable de la famille, séminaire, séminaire. Alors que des fois, là on lance un appel et moi les tout le monde est gardé, écouté. Là on lance un appel pour dire un séminaire tel côté à dans tel hôtel, les coupes vini. Pour mon un il tellement, tellement personne ne peut pas bailler un conseil. Personne ne peut pas bailler. Alors que nous ne pas à l'abri, nous sommes des pécheurs. Et puis nous croyons les résultats. Dans l'Église adventiste, nous avons des monde qui étudier la psychologie maintenant pour aider les couples. Il y a des gens qui pas arrivé contenter quoi yo et pas nous quoi yo sur le plan sexuel. Nous ni dans l'église nous des monde qui fait des formations de sexologues pour aider. Il y a toutes les branches pour aider pour accompagner. Mais nous ni l'orgueil tellement nous peut pas assis pour nous prendre enseignement et puis nous alors que parfois c'est en maladie ou besoin d'un docteur pour traiter ça. Ou besoin d'un docteur. Alors mon ka dougo ça mais ma ka prier Jésus. Pourquoi il prie Jésus? Comment il prie Jésus? Puisque vous avez bloqué. Même si Jésus parle bon, il dit, allez où est tel monde? Vous pouvez aller puisque vous avez bloqué. Vous avez bloqué, personne n'a pas du conseil pour moi, vous connaissez tout le bagaille. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais mon caf exhorte chaque couple, chaque mari, chaque femme à prendre les meilleurs outils qu'il faut pour apprendre à vivre. Parce que ça, ça apprend. Oui, oui. Ou pas qu'à ne parents, ou pas qu'à ne mari, mais on le devient. Et puis, nous n'y des livres, nous n'y des livres qu'on Hélène Gérard présente nous, mais le foyer chrétien, pour un bon équilibre mental, spirituel, etc. Et puis tout ça. La conduite sexuelle, sur le divorce et le remariage. Nancy Venpel. Qui est extraordinaire ce livre. Et nous n'y d'autres auteurs encore, comme Gary, et toutes ces auteurs-là qui ont aidé. Ça qui fait la bibliothèque nous fleurit et puis tous ces livres là nous passons ensemble et puis madame assise et puis ouvre le livre là. Gracia, temps fini en les nous. Pardon et paix. Femme, on laisse ça et puis on nous finit. On nous finit, temps fini en les nous. Bible a dit nous, Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Le pardon et puis la paix. Ça met le pardon, l'exercice du pardon. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, vous ne pouvez pas être en paix. Vous ne pouvez pas être en paix. L'exercice du pardon. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, vous ne pouvez pas vivre. Il y a des gens qui sont difficiles pour prononcer mon temps-là. Eh bien, je reconnais que je te pardonne. Je te pardonne. Alors, des fois, vous n'avez pas dit pardonne, vous avez dit excuse-moi. Oui, je m'excuse. Et puis, il y a d'autres qui ont dit, mais brèvement, je peux pardonner, oui. Non, je n'ai jamais oublié ça, vous faites moi. Ou bien, je pardonne, mais je fais un coin en l'air. Ça, c'est pardon. Je fais un coin en l'air. Je pardonne, mais je vais quitter le coup de bon Dieu. Gracie, on nous finit avec ça. Là. On nous lit et puis nous finit en l'air. Oui. Et Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est l'un des textes que je suis plus content dans la Bible. Ok. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il cherchait la paix. Et puis tout le monde. Nous pas n'y avons nous ajouter. Ça, c'est parole bon Dieu. Pas oublier que pardonner, c'est prendre en part et puis donner. Bah, mon aïe. Première parole là. Oui. Oui. C'est où qui t'es prié pour commencer, Gracien? Non, c'est où? C'est où? Prié. Oh, Papa Dieu, nous avons remercié pour ces précieux conseils là ou bah nous. Quand nous avons conflit. Quand ni des moments de perte, quand ni des conflits, Seigneur, maintenant nous qu'à vivre dans le monde de péché, nous mettons ça grave en dit de tête nous. Mais Jésus vient porter solution à nous. Souple bon Dieu, de nous à rester comme Marie à pied Jésus pour nous apprendre. On nous pas négliger les conseils, on nous pas négliger les livres vous mettez à la disposition nous pour l'épanouissement nous, pour nous les familles heureux, pour nous maman papa heureux, les enfants heureux mon Dieu. Même si ni difficultés, même si ni pertes, même si ni maladies et toute bagaille, mais pour nous ça vivre tiens coco. Et puis le Jésus venu pour nous ça de bout de vin, pour nous ça dire Seigneur mis-moi et puis yiche-moi madame mon te confie. Oh, béni nous, mon Dieu. Béni tout le monde qui a passé des moments de crise. Yo aveugle. Yo pas qu'à ouais pour yo adresser la parole. Portez mon œuvre pour trouver solution. Mais yo a dans tes nèbres. Voyez-le
lumière ba yo Seigneur pour ça ranger les choses et puis mon Dieu pour nous pas ça ni des familles et puis des églises soudées et puis unies prêts à refléter caractère Jésus. C'est prière moi en nom Jésus. Amen. Amen. Oh les frères, faut nous lever, c'est vrai les frères, faut nous lever, oh les frères, faut nous lever, pour nous porter par là. Oh les frères, faut nous lever, c'est vrai les frères, faut nous lever, oh les frères, faut nous lever, pour nous porter par là. J'ai constaté, en tu pays là, des millions de monde, faut qu'elle baisse la yo, passe avant la yo, calé, yo jardin au soleil, si ou pas fait en mon aide, yo guerre terre la lila, c'est pour ça, oh les frères, pour nous partir par là, pour les frères, pour nous lever, c'est valé. Parce qu'il y a besoin de nous. Si vous papa les baillots, les cavaliers, là, les frères, faut nous lever, pour nous partir par là. Oh bon, les frères, faut nous lever, c'est vrai, les frères, faut nous lever. Oh bon, les frères, faut nous lever, pour nous partir par là. Pour nous lever, pour nous partir par là.